Nancy 13e reçoit le Havre 10e. Valette n'est pas là, c'est Martin Sourzac qui est titulaire dans le but de l'Est Nancy-Lorraine. Merghem et Donendo sont également absents. Côté Havrais, Bemba est suspendu. Les Havrais sont un petit peu irréguliers. 2 victoires, 2 défaites. Ils espèrent faire un coup à l'extérieur. Nancy, de son côté, n'a gagné qu'une seule de ses 4 premières rencontres. Espère à domicile en gagner une autre. Le match est relativement ouvert. Et ce sont les Lorrains qui débutent le mieux avec ce ballon dans la surface d'Amine Bassi. Une petite passe astucieuse. Ça ne trouve pas preneur. Ça débute plutôt bien dans les intentions pour les joueurs locaux. La réponse havraise. La balle sur le côté pour ce centre et la reprise de la tête manquée. Ce n'est pas encore assez tranchant pour espérer un but dans ce match. Nancy repart à l'attaque avec Amine Bassi toujours dans les initiatives. La bonne frappe d'Amine Bassi, le ballon capté en 2 temps par Mathieu Gorgelin. Amine Bassi, l'un des leaders d'attaque pour Nancy, est à l'initiative de presque toutes les actions, mais ça ne passe pas. Le corner pour les Ciels et Marines alors qu'on s'approche de la pause. Le ballon traîne dans cette surface. Il est repris du bout du pied par Ertugrul Ersoy. C'était trop peu pour marquer. À la mi-temps, personne n'a réussi à prendre les devants. 0 à 0. Le corner pour le Havre maintenant. Avec ce ballon repris au premier poteau par Pierre Gimaud, 66e minute. Le Havre marque le but du 1-0. Le corner très bien frappé par Quentin Cornette. Et Pierre Gimaud surgit pour dévier ce ballon. Premier but depuis 5 ans de Pierre Gimaud. Son dernier, c'était avec Sochaux en 2014-2015 en Ligue 2 BKT. Et là, il marque un but crucial. Il reste encore un tout petit peu de temps pour que Nancy puisse revenir. Les Lorrains se sont fait surprendre. Cette reprise de la tête est manquée. Les Havrais tiennent le score comme ils peuvent. Une chance supplémentaire avec ce ballon dans la surface. Le tir sur le haut de la barre transversale. La grosse chance d'égaliser pour Nancy. Et vraiment pas de réussite au final sur cette action pour Yanis Barca, entré en cours de match sur le terrain. C'était sans doute la dernière possibilité pour Nancy. Les Normands tiennent leur victoire jusqu'au bout. Succès du Havre 1-0 sur le terrain de Nancy.